Et salut tout le monde, c'est Jayden, comment allez-vous? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Jedi Fallen Order. Nous nous étions quittés après avoir commencé à explorer à nouveau la planète, je sais plus où déjà, que je me rappelle, Zepho. Là nous sommes partis dans le coin où j'avais trouvé plein de vaisseaux spatiaux. Donc c'est parti. Je sais pas à quoi m'attendre, mais il va falloir qu'on avance. En fait, je fais quoi là? Ah, ok. Oh, il y a des ennemis. Oula, des droïdes. Va falloir faire gaffe. Eh bon, exploration. Oh là 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 là. Wouhou. Wouhou! Vous êtes deux, c'est pas du jeu, madame. Dégâts subis. Il est inutile de résister. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et boum! À toi! Pas grave. Regarde. Boum! Ah non, il m'a eu! Oh! Voilà! Non mais... Qu'est-ce qu'il y a là? Une tyrolienne, ça te tente? Une tyrolienne? Putain, mais il y a plein de bonus en fait! Ce moteur devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que ça donne? Oh, BD1! Y aller. Utiliser tyrolienne dans les deux sens. Ah bah voilà. Comme ça. C'est super. Vas-y, fais descendre. Allez, on remonte. Vas-y. Voilà. Par contre, si vous permettez, je vais recharger ma vie. Parce que j'aime bien avoir ma vie pleine. La sécurité, vous devez comprendre. Je garde mon point de compétence, parce que vu qu'on en gagne d'autres après. C'est parti. Allez, viens BD. Yahoo. Bon, ça a l'air d'aller, pour l'instant. Bonjour, monsieur, dame. Wouhou! Débloque mes attaques! Je tire dessus! Wouhou! Oh non, ça lui a pas plu! Pas non plus! Il bouge vite! Hé! Dommage, vous pouvez pas vous faire mal entre vous! On poursuit le Jedi! Oh! Touche sur la cible! Alors, je m'occupe de qui, toi? Rampeur mort au combat! J'ai touché le Jedi! Faites attention! Je peux le battre! Non, tu peux pas! Voilà! Tu pensais que tu pouvais me battre? Ha ha ha! La bonne blague! Bon, là, y a quoi? J'ai de la chance de t'avoir, BD. D'accord. Bon, ben, on va par là. Oh, j'ai peur! J'ai peur qu'il y ait le coup d'un ennemi qui me tende un piège, comme l'araignée dans les précédents épisodes. Oh oh. Autre chose? Ouais. Ah oui, ça va, il y a un passage. Tu peux ouvrir BD. Voilà. Hi! Aïe. Non mais moi je m'en vais en fait. Ouch. Waouh. Il monte? Putain, il monte! Fuite! Autant j'aime pas la fuite en général, mais là on fait une exception. Ah, ils abandonnent au bout d'un moment. Ça m'a saoulé, je repars.
ennemi détruit. L'intrus contourne l'offensive. Demande de maintenance. Raté. Voilà. Et toi, et tu veux, hein? Il est dur à suivre. Déviation de l'offensive. Ah zut. Yerk. Oh non. Ouch. Il m'a mis un de ses punchs. J'ai besoin d'un skim, BD. Raté. Bon, bah, je reviens, je vais reméditer. We are back. Voilà, on est de retour. Pff, on me voit passer devant. Non, c'est rien, Rocher, vas-y, avance. Oh, oh. Oh non, pas toi. Ah bon? On va arranger ça. Joli réflexe. Merci. Allez! Putain, je l'ai battu plus facilement qu'avant. Ok, il faut que je descende encore. Ouais, minute, papillon. Oh, il y a un truc là-haut. On y va! Repérer, mais vous pouvez pas venir. L'ouvrier a laissé ses outils. Il avait espéré trouver les reliques, mais il se souciait peu de l'aspect historique. Ah, c'est beau de choper des trucs comme ça. Je peux pas y aller, là. How can I do? Ah non, mais dis pas que j'ai... Hein? J'ai raté un truc? Attends. Retour en arrière. Ah, quelle nouille, il y avait un accès là-bas. Mais qu'est-ce que je peux être débile? Voilà, donc par là. Oui, aïe. Oui, aïe. Allez, grimpons. Ouais. Parfait. Alors là, je cherche par où je dois aller. Logiquement, par là. Ah, j'avais pas vu que je pouvais m'accrocher à ça. Bah, qu'est-ce que vous voulez, hein? Je suis pas toujours très intelligent. Ok, point de méditation. Et ça, c'est quoi? Je peux ouvrir? Non. Ah! Il y a deux chemins encore. Bah, je peux pas aller par là, il y a une corde. Donc on va aller de l'autre côté. Donc par ici, c'est parti. C'est bon, on descend. Ah bah on va y arriver. Alcestis, comme c'est prévisible. Ah oui, je connais ton nom, ton passé, mais je connais surtout un certain Enno Cordova. Dis-moi, où a-t-il caché cet holocron? Viens me le demander. Incroyable. Ah, c'est la revanche! Viens là! Waouh! Tu ne pourras pas toujours fuir. Oh la vache! Ça pète, hein! Oh. Un échec jusqu'au bout. Pas sûr. Wow là. Lance un steam. Donc, quand il pourra. Non, je voulais esquiver. Salope. Voilà. Raté. J'ai enduré bien pire que ça. Ah ouais? Bon, on va voir.
Wow. Wow. Deuxième sœur, hein. Je t'attends. Ouais, bah, je suis pas aussi fort que toi. Hein. Je vais trop vite. Allez, donne. Finissons-en. Oh là là. Je suis censé perdre, peut-être. Wouh! Elle m'a eu. Ton heure va bientôt sonner. Ah bah là, oui. Wouah! Très bien, tu n'esquiveras pas la suivante. Ça m'étonnerait aussi, mais bon. Tu n'étais rien. Ouais. Ah, bien joué ce coup-là. Wouh. Wow. Tu paies le prix de ton arrogance. En arrogance, tu peux parler, toi. Oh putain, m'a démonté. Elle est forte, hein. Elle est vraiment forte. Mais c'est bien, comme ça j'ai ma revanche, depuis le temps que je la voulais aussi. Bon, faut que je me serve un peu mieux de mes pouvoirs aussi, hein. Allez, on a perdu une fois, on perdra pas deux. Qu'est-ce que je peux être nul. Ah, je dois faire des progrès, comme tout le monde. Salut Grognas, joli bug. Ah, voilà. Olé. Ouais, pas mal. C'est à gauche de la mienne. Chacun son tour. Oh non. Je me ferai pas avoir cette fois. Tu ne peux pas gagner. Vas-y. Très bien. Ouais. Tu n'esquiveras pas la suivante. On va voir ça. Viens par ici, Padawan. J'arrive. Tu es ridicule. Ok, bien tenté. Tu n'es pas de taille. Pourtant, je m'en sors contre toi, là. Ah zut. Ouais, je sais. T'as plus que la moitié de ta vie, là. Voilà. Autre chose? Ah zut. Putain, j'ai fait les fausses touches à chaque fois, là. Ah non! Ah! Aïe! Ah! Connasse! Oh! Bien joué! Tu progresses. Pas aussi doué que l'ancien apprenti de Serré, mais pas mal cependant. Quoi? T'as pris des notes? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Serré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein? Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale et révélé la cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvé. Si elle n'avait rien dit... Hein? Elle m'a abandonné.
tué Trilla. En chair et en os. Ah, je l'ai pas vu venir, celle-là. Je ne te laisserai pas me manipuler. Tu es bien sûr de toi? Quand elle a été confrontée au choix de sauver sa vie ou sa padawan, elle a fait preuve d'égoïsme. Elle te trahira aussi un jour. Eh bien, je sais me débrouiller tout seul. Tu as vraiment envie de t'y risquer? Ton nouveau maître a une part d'ombre en elle. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert ce qu'ils avaient fait de moi. Elle a sombré et dévoilé à tous sa vraie nature. Elle a été puisée dans le côté obscur. Elle a coupé ses liens avec la Force. Oh. Combien de temps lui faudra-t-il avant de te trahir? Est-ce que tu veux vraiment être avec elle quand tu trouveras l'Holocron? Qu'en penserait Jaro Tapal? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Je me demande, que dirait-il s'il pouvait voir son Padawan aujourd'hui, rôdant dans les ténèbres aux côtés de cette traîtresse, lui donnant accès à une légion entière de pauvres disciples dociles. Je ne laisserai personne les toucher. Je disais la même chose avant. Ah ouais, non mais là pour le coup, je l'ai vraiment pas vu venir. Ouais, BD, t'as eu le bon réflexe, hein. Bon bah, je serais pas allé jusqu'au bout du combat. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, faut que j'analyse mieux à l'avenir, parce que là, je m'en sortais, mais il faut vraiment que j'analyse mieux. C'est trop calme, ici. Merci pour le coup de main, BD. Tu m'as sauvé la vie. Et tu nous as rapprochés du tombeau. Commence à me demander de l'autre côté, il y a quoi? Rien du tout. Je voulais être sûr qu'il n'y avait rien. Peut-être pas de ouais, c'est vrai qu'on y est presque là. Donc c'était elle, c'était l'apprenti. Oh, oh, je n'aurais pas cru. Ah, je vous avoue, je l'ai pas vu venir. Bon, il y en a, ils vont dire, moi je l'avais vu venir, c'était évident. Ouais, mais bon. Pour certains, c'était pas attendu et ça marche. Merde. Alors, je pense que je dois aller par ici. Waouh. On l'a trouvé. Il a l'air différent de l'autre tombeau. Ouais. J'en sais rien. Mais ça me plaît pas. Tombeau de Mithril. Sympa. Plateforme ici, on va aller là. C'est grand, c'est beau. Tombé. Je l'ai trouvé, mais serré. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que c'est une menteuse. Toi. Quoi? Comment? J'ai détourné vos communications dès l'instant où tu as essayé de la contacter. Le piratage de transmission codée a toujours été un de ses passe-temps. Elle m'a montré comment faire. Il n'y a pas une seule technique de série que je n'ai pas perfectionnée. Oh, il y en a forcément une. En tout cas, ouais, je suis très surpris, là. Je ne m'y attendais vraiment pas à ce que ça soit elle, l'apprenti de Serré. Mais bon, apprenti contre apprenti, ça marche toujours mieux dans Star Wars. Oh, un gardien. Pas grave, j'en ai déjà vaincu plein. Oh, bien joué. Ah. J'ai besoin d'aide. Merci. Beau travail. C'est beau comme temple. Ah.
On sait quoi en faire. Oula ! Elle va plus rouler, là. Oh non, que faire ? Il y a une porte que je peux prendre, là. Oh. Si ça aide. Vas-y, scan. Fais voir ça. Fais-toi plaisir, BD. Mon ami, il semble que ces appareils simulent la gravité de la planète. Je ne peux m'en... Pardon de vous couper la parole, monsieur, mais je préfère reprendre des forces. Si c'est pas trop vous demander. J'ai dû voir un motif. Tu n'as plus beaucoup de temps. De temps pourquoi ? Mes éclaireurs ont découvert un artefact intéressant au fond de ce tombeau. Je l'étudie en ce moment même. Il m'apprend ses secrets. On dirait que Cordova les aimait bien, ses effets. Peut-être au point de cacher l'holocron parmi leurs dépouilles. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Ça se complique. On va lui donner une bonne leçon. Oh. Encore faudrait-il que vous m'atteigniez. Chargé. Je le tiens. Hé hé, raté. Débarrassons-nous de lui. Ah, mais si. C'est parti. Et hop. J'insiste, j'approche. D'accord, donc elle aussi, elle cherche l'artefact. J'ai intérêt à me manier. J'ai vu un bouton. C'est quoi si je l'active ? Oh ! Oui, il est... Oh ! Et si je l'arrête ? Ouais, c'est bon. Parce que je vois un accès là, je vais aller voir avant quand même. Pas vu, pas pris, hein. Telle est la règle. Oh non, il va se réveiller. Oh non, mais je suis pas confiant, pas du tout même. Mais bon, on va continuer. On va essayer d'atteindre l'artefact. On réussira jamais à passer ce gouffre. On fait demi-tour et on prévient l'étoile. Peut-être pas éliminé discrètement, mais je peux essayer de faire quelque chose. Oh, je peux pas. Il me faut un feu, un peu feu peut-être, un pouvoir. Hihihi. Au moins, j'avance. Ok. Je sais pas où je suis et j'ai sauté trop tôt. C'est drôle, hein. Raté. Pas pris assez d'élan pour le deuxième. Un petit peu d'élan. Et hop. Et ben voilà. J'entends du bruit, j'aime pas ça. Oh non, pas vous. Pas encore vous, je vous déteste. Recule. J'ai tué l'autre rat, là. D'autres soldats pénètrent dans ce tombeau à chaque seconde qui passe. Tu as peur de m'affronter toi-même ? Si ton droïde n'était pas intervenu, je t'aurais tué sans aucun effort. Laisse tomber, BD. N'écoute pas ce qu'elle dit. Oh. Peu de pratique, ça. Voilà.
Voilà. J'arrive. Bien sûr. Regarde. Oh, je l'ai tué par accident. Je sais que je peux y arriver. J'ai même pas fait exprès. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai eu. Je sais pas par où je vais. Hein. Moi, je prends une direction. Tu ne t'en sortiras pas vivant. Et c'est ça. Un pur trooper qui m'a dit ça. Oh! Oh là là! Tant que je sors mon double sabre au moins! Mal poli! Ah zut! Pas sûr. Et boum. On peut reprendre le sabre simple. Pour l'instant. Ah, c'est comme ça que j'avance. Pas mal du tout. Allez hop. J'y suis presque. Oh là, non, je vais pas sur la branche. Ouh ! Belle embuscade, j'avoue. Non, j'avoue, il m'a eu. Je m'y attendais pas, j'aurais dû faire gaffe. Non, mais vous me prenez pour un genre bono, vous, hein. Voilà. Non, pas par là. Plutôt vers le bas, vu comment sont les plantes. Non mais Cal, faut descendre. Il se fout de ma gueule. Ah non, je crois que je sais comment faire. Attendez. Voilà, c'est bon. Yes. Quand je veux, je peux. Ouais. Coco. À mort le rat. Si c'était un rat, je ne sais même pas. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ouh, je vais les laisser finir. Je vais les laisser finir. Ouais, mais il t'en reste une. Allez, mange-le, le rat, mange-le. Zut. On va arranger ça. Oh non. Oh non. Oh, ce bug monumental. C'est honteux. C'est honteux. Mais je vais arranger ça, tu vas voir. Mais non, mais... Eh, mais vous avez vu ce bug? Non, c'est pas normal. Mais ok, tu l'auras voulu. C'est trop pour toi, Jedi? Ah oui, éloigne-toi. T'as raison. Voilà. Non mais, tu m'as fait tomber deux fois en trichant. Saleté, va. Parfait. J'espère que j'arrive bientôt. C'est de l'eau qui coule, c'est pas des araignées. Oh, un bouc! Mon ami le bouc! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est toi qui m'as attaqué le premier. Hein. Imagine les artefacts que l'Empire aurait manqué sans ton intervention sur cette misérable planète. Est-ce que ça en valait la peine?
Il paraît que le projet Foreuse vous a coûté cher. Des Stormtroopers et des ouvriers, rien d'irremplaçable. Tu es un monstre. Je suis ce que Serré a fait de moi. Et tu es un monstre, c'est bien ce qu'elle dit. Enfin, ce qu'il dit, pardon. Bon, je vais continuer, mais avant, je vais recharger Multisteam. Hein. On ne sait jamais. Je me demande si je vais débloquer une nouvelle compétence. Et si c'est le cas, je vais peut-être pouvoir retourner sur l'autre planète. Oui, vous savez, la planète que j'ai explorée début de Let's Play plutôt, parce que début de vidéo, non. Mais c'est une planète que j'avais visitée où il y avait aussi des araignées chiantes. Ok. Oh non, pas toi. Oh. Non mais battez-vous entre vous. Non mais moi j'ai rien fait. Non, au contraire, moi j'aime bien. Est-ce que tu trembles, Jedi? Ouais, c'est ça, occupe-toi d'eux, je reviendrai après. Mais surtout, il y arrive, hein. Ouais, comme ça. Ah, scanner encore. Mais on l'a pas déjà scanné, un mec comme ça. Purge Trooper, électro-bâton. Ouais, Nightwing, quoi. Ouais. Ah, il y a plein de Stormtroopers. Ouais. Tu vas regretter ce que t'as fait. Je peux y arriver. Allez, t'es tout seul, viens. Bah voilà, j'ai plus peur. Suffisait de le dire gentiment, hein. Je peux pas y aller. Je suis obligé d'aller par là. J'ai rapporté l'artefact à mon vaisseau pour l'analyser. Dommage que tu sois arrivé trop tard. Peu importe ce que tu as fait. Tu ne le comprendras jamais. Mais toi, oui. Tu le sauras bien assez tôt. Je vais prendre le risque. Quelle connasse. Quoi ce bruit? Bon, ça marche comment ici? Ouais, ok. J'ai pris une direction, je sais même pas si c'est la bonne. Ouais. Parfait. Ah là 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 là. Ok, donc on remonte encore. Et hop! Parfait! Là, 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 là. Ouais, là on peut lâcher. Alors, voyons. J'aime vraiment pas ce bruit. Ah, c'était ça! Ouais. Je le ralentis. Ah merde, l'aimant ça me fait mal. Ah ouais. Compliqué, hein. Vas-y, recule. Parfait. Voilà, ça fait du bien quand ça s'arrête, ces merdes. Moi, je me demande si elle est vraiment venue par là, elle est passée par où? Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre accès. Enfin, je crois. À notre connaissance, il n'y a pas d'autre accès. Allez, Cal, on y est presque. Allez, allez, un peu de courage. Parfait. Ah, parfait. Bah écoutez, on va s'arrêter là, parce que là, ça fait déjà une bonne vidéo, je pense. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !